Salut tout le monde! J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle les gars. La bonne nouvelle c'est que j'ai revu entièrement le design de la Jolotte mobile. J'ai fait un truc de malade, un truc de taré. La mauvaise nouvelle, c'est que je l'ai perdue. Et ça, c'est la merde. Ok, je l'ai retrouvée les gars, elle était carrément à l'autre bout de la map. C'était un truc de fou. Je vais poser la Jolotte mobile et je vais vous montrer, c'est un truc de taré franchement. Alors pour construire ça, j'ai passé à peu près 3-4 heures dessus. C'est un truc de fou. Je vais vous montrer la connectique déjà. Attendez, déjà, on va enlever l'ascenseur. Voilà. Déjà, je vous montre la gueule que ça a. Franchement, ça paye pas de mine comme ça. Mais c'est quand même stylé. J'aime bien, moi. J'ai complètement revu le design, les gars. Là, je peux vous dire, les gars, Batman et sa Batmobile, ils peuvent aller se cacher très loin. Je vais vous montrer ça. Regardez déjà les connectiques. C'est le bordel. Même moi, quand je l'ai construit, j'ai cru que j'allais me perdre. D'ailleurs, je me suis perdu à certains moments de la construction. Hein, je vous avoue. Je vais monter dedans. Alors regardez, hein, je fais un petit peu le tour. J'ai mis des réacteurs un peu partout et tout. Mais vous allez voir que rien n'est laissé au hasard. Je monte dedans. Déjà, vous sentez le bourrin quand je monte dedans, là? Ça, c'est un truc de malade. Regardez, là. Hein? Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu le délire, un petit peu, là? Bon. Disons que ça roule. C'est pas opérationnel, mais ça roule. Ça fait son taf. Ça va le zing un petit peu dans tous les sens, mais ça roule. Mais c'est pas tout, les gars. Ça, c'est absolument rien du tout, les gars. Voilà, je vais descendre de la bagnole, je vais vous montrer. Et j'ai eu quelques personnes qui m'ont lancé des défis. Notamment quelqu'un qui m'a dit, fais la voiture de retour vers le futur. Mais là, j'ai juste envie de te dire que ça, c'est la voiture du futur. C'est encore mieux que la voiture de retour vers le futur. Alors regardez bien de partout ce que ça fait quand j'appuie sur le bouton. Hein. Je vais vous le faire 2-3 fois pour que vous compreniez bien. J'appuie sur le bouton, regardez, c'est un truc de fou. Attention. C'est parti. Regardez ça. Regardez ça, les gars. Regardez bien partout. C'est pas un truc de malade, ça. Regardez, regardez, c'est pas fini. Regardez. Regardez. Hop là. Bon, disons que il y a juste les fusées qui sont un petit peu trop longs. J'ai mal fait le calcul. Mais vous allez voir que rien n'est laissé au hasard. Eh les gars, la Jolotte mobile qui se transforme en vaisseau spatial. C'est pas la voiture du futur, ça? Donc on peut déjà dire que ton défi de la voiture de retour vers le futur, il est torché. Regardez, je vais monter dessus. Regardez ça. Alors attendez, pour bien vous montrer, je rappuie sur le bouton. Hop, regardez ce que ça fait. Regardez, c'est un truc de malade. J'adore franchement, c'est trop stylé. Ah, j'adore. Et je vous dis, j'ai passé du temps dessus, hein. J'ai passé au moins 3 heures dessus. Hein. Bon bref, on va rappuyer dessus. Regardez ça. Ah franchement, regardez ça franchement. Ah, j'en suis pas peu fier de ma voiture. C'est un truc de malade, hein. Mais le pire, les gars, c'est que dans tout ce bordel, eh ben c'est que c'est opérationnel. Et là, je peux vous dire que ça vole, les gars. Bon, disons que ça se barre un petit peu en couille quelquefois, mais c'est plutôt opérationnel. Merde, 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 merde. Par contre, on arrive encore une fois de plus en bout de map, et ça, ça va être complètement la merde. Regardez ça. Regardez. Merde. Merde. Ah merde. Ça, ça fait chier par contre. Ça, ça fait un petit peu chier. Bon, là, on arrive en bout de map. Bon, et ben, ok, d'accord. Bref, le but de cette vidéo n'était pas seulement de vous montrer le nouveau design de la Jolotte mobile, mais je vais répondre à un petit défi qui m'a été posé dans les commentaires. Et il y a quelqu'un qui m'a posé dans les commentaires, fais une maison qui vole. Et bien, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui dans cet épisode, les gars, c'est qu'on va tenter de faire une maison qui vole. C'est parti. On va commencer en bois. Donc, la dernière fois, on a vu les bases hein, pour la maison et tout. Hein. Vous connaissez les bails. Et ben voilà, nous avons une grosse boîte. C'est plutôt pas mal, non? On va faire une porte juste ici. Ok, moi, ce que j'aime bien faire au niveau des portes, c'est des portes stylées. J'aime bien les portes stylées, moi. Tac, ça, impeccable. Impeccable, les gars. Ça, c'est nickel. Ok, le moteur électrique, impeccable. Tac, impeccable, les gars. Ça, c'est cool. Ça, je vais connecter ça ici. Alors, bien sûr, ça, maintenant, vous savez comment que ça marche. Hein. Je les ai expliqués dans les épisodes précédents. Un interrupteur, juste ici. L'interrupteur qu'on connecte à l'ordinateur. Le moteur qu'on connecte à l'interrupteur. Les portes, on va leur donner l'ordre de pivoter à 90 degrés vers l'intérieur, je pense. On va voir ce que ça donne maintenant. Quand j'appuie sur l'interrupteur, impeccable. Attendez, bougez pas parce que là, je sens que l'inspiration va venir d'un coup. Impeccable. Ça, c'est cool. On va mettre des rotules ici. Impeccable. On va faire des volets avec ces blocs-là. On va les faire comme ça. Hop, impeccable. On va connecter tout ça à l'ordinateur. Nickel, nickel et nickel. Je vais leur dire de pivoter de 90 degrés à l'intérieur. Impeccable. Bon, pour l'instant, ça prend tout doucement de la gueule. On va se faire un toit digne de ce nom, les gars. Moi, je vous parle pas d'un toit tout banal. Je vous parle d'un toit de Transformers. On va faire un toit avec ces blocs-là. Ça va très bien se marier. Impeccable.
Oui, enfin, impeccable. Oui et non, j'ai envie de dire. Impeccable, ça, on redit ça. Oh putain, le bordel. Ok, d'accord. Sympa. On va le pivoter à 45 degrés, le toit, les gars. Impeccable. Regardez, c'est plutôt pas mal comme ça. Hein? Ça, c'est bon. Ok, ça me plaît pour l'instant. On va relier à l'ordinateur. Ça, c'est bon. Putain, comment qu'il se balance, le machin, quand je les connecte? Alors, qu'est-ce que ça donne quand je replie tout? Ça donne de la merde. C'est pas bon. C'est pas bon du tout, les gars. Voilà. Là, ça me plaît plus, déjà. Je vais voir ce que ça donne si j'appuie sur l'interrupteur. Ça, c'est la baraque de Transformers, les gars. Ça, c'est bon. C'est impeccable. Donc, nous avons la porte. Nous avons les volets. Ça, c'est cool. Ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est que cette maison, n'oublions pas que nous voulons qu'elle vole. Donc, ce qu'il faut se faire, c'est une cabine de pilotage, les gars. Par contre, vous allez voir que faut gérer le poids. Et ben voilà. Là, c'est symétrique. Là, c'est pas mal. Là, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce que ça fout là, ça? Dégage. Voilà. Il y a combien de blocs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon. Ok. Il y a deux rangées en trop. Impeccable. Donc, il y aura un côté qui fera contrepoids et l'autre côté qui sera pour le décollage. Ah ouais, mais là, je suis en train de voir que c'est complètement la merde, en fait. Ça colle pas du tout ce que j'ai voulu faire. Je vais tout casser. On va tout reprendre. Voilà. On va partir comme ça. Là, c'est pas mal. On va faire la même chose ici. Impeccable. On va relier tout ça à l'ordinateur. L'ordinateur qui est ici, vous allez voir. Je vais la faire décoller, moi, la baraque. Vous voulez me lancer des défis? Moi, je relève tous les défis. Et pourquoi tu veux pas te connecter à l'ordinateur, toi? This controller is already connected to ten begin. Ah bon? Ok. C'est qu'en fait, au bout d'un moment, on peut plus connecter trop de trucs à l'ordinateur. Alors, tiens, qu'est-ce qui se passe? Je repose un deuxième ordinateur, moi, les gars. Ça, on va faire ça. Ça, on va y dire de pivoter 90 degrés. Voilà. Qu'est-ce que ça donne si j'appuie sur le bouton? Ça a pour l'air de marcher. Ah bah oui, peut-être que je connecte l'interrupteur. Voilà, là ça va marcher. Alors, c'est pas mal. Vous allez voir, on va la faire la baraque, mon vieux. Ça va être une fusée, ça va être un truc de malade. Et je peux te dire que ça, tu vois ce bordel là? Dans quelques minutes, il est tout en l'air. Dans quelques minutes ou dans 2-3 heures. C'est à voir. Le siège du pilote. J'aime pas quand c'est pas symétrique. Je sais pas, ça m'obsède moi. J'aime pas ça. Ouais, d'ailleurs tu vois, j'aime tellement pas quand c'est pas symétrique que je suis obligé de faire ça. Ça me chagrine, tu vois. Là, tout de suite, je trouve que c'est mieux. Et encore, le siège n'est pas bien centré. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la lever. On va prendre ces blocs-là parce que je les trouve stylés. Oui, je les trouve stylés. On va faire des roues. Impeccable. Ça, c'est cool. J'ai fait les quatre coins. Ok. Je suis en train de réfléchir, là. Je suis en train de réfléchir. Je cherche l'inspiration. Je crois bien que le plus long dans le jeu, en fait, c'est trouver l'inspiration. L'inspiration qui me vient, là. Quand l'inspiration est bien comme ça, faut pas que je lâche. Sinon, elle repart vite fait. Ça, c'est cool. Et vous allez voir pourquoi je fais ça. On dit toujours l'appétit vient en mangeant. Eh bien, c'est pareil pour les jeux. Les idées viennent en jouant. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre, bien sûr, des jolies roues, telles que celle-ci. On va mettre là. Voilà. On va descendre tout ça. Maintenant, le truc, c'est qu'il va falloir configurer tout ça. Et ça, ça va être une autre paire de manches. Voilà, plutôt comme ça. Oui, voilà. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Waouh, j'ai mon PC, il est en train de péter une durite, là. Je crois bien que j'ai construit trop de trucs sur mon serveur. J'ai l'impression de voir en 3D quand je tourne la tête. Il est juste à côté de moi, je sais pas s'il va tenir le coup pour le décollage, les gars. Donc, ce que ça fait, c'est quand j'appuie sur ce bouton... Bah, j'ai l'impression que ça fait de la merde, tout simplement. Ah oui, effectivement, oui, il y a juste celui-là qui fait de la merde, en fait. Voilà. Là, ça me plaît déjà mieux, les gars. Ok, ça, c'est bon, les gars. On est parti pour foutre des réacteurs. Tu veux une maison qui vole? Tu peux avoir une maison qui vole. Je vais te dire que si avec ça on décolle pas, à moi la peur. Ok, je crois bien que si je pose un réacteur de plus, j'ai mon PC qui explose juste à côté. T'inquiète pas, c'est bientôt fini. Alors là les gars, je peux vous dire qu'avec ça, si on s'envole pas... Ce que je vais faire, c'est que je vais connecter maintenant tous ces réacteurs. Oh, putain, comment c'est le bordel les gars? C'est un truc de malade, c'est le bordel. Alors la dernière fois aussi, vous m'avez dit dans les commentaires que j'avais pas relié tous les réacteurs. Mais en fait, c'est parce que je crois, je suis pas sûr, qu'on peut pas connecter un nombre infini de réacteurs à un siège. Alors là, je peux vous dire que dans la baraque, on peut comparer ça à la guerre des étoiles. Ou à un concert de Jean-Michel Jarre. Et je peux vous dire aussi que mon PC est en pleine souffrance à l'heure actuelle. Ok, c'est parti, on va tester ça. Ok les amis, c'est le grand départ. Comme dirait un célèbre homme qui a marché sur la lune, c'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Couchez vos ceintures, décolle. Et
Et voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, là j'ai connecté absolument tous les réacteurs sur le siège, mais pourtant il y en a que la moitié qui marche, comme vous pouvez le constater. C'est parce qu'on peut pas connecter un nombre infini de réacteurs à un même siège en fait. Je vais la remettre sur la rampe de lancement, les gars. Ouais, ce truc de fou, mon PC il a repris du poil de la bête d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé, les gars. J'ai juste posé le truc sur l'ascenseur là. Bon bah faut pas chercher à savoir, au moins là ça marche bien, les gars. On a plus l'impression de voir en 3D. C'est cool, non? Vas-y, c'est parti, les gars. Je refais un test. Ah bah si, ça y est, c'est reparti. Ça y est, ça re-relag. Ok, les gars, on est parti pour le deuxième test. Le premier était quand même pas mal. Mais là, du coup, vu que j'ai la moitié des réacteurs qui marchent, ça devrait être la merde. Allez, vas-y, pleine patate. Oh putain. Oh putain de merde. Bah oui, forcément, j'ai que la moitié des réacteurs qui marchent. Et cette putain d'antenne qui est encore là pour me casser les... pour me casser les pieds. Ah, quand même. Et regardez, ça marche un petit peu quand même. Eh, regardez, on est en train de voler avec la maison. T'as merdé là. Allez, vas-y, monte là-dessus. C'est parti, les gars. Ouais, là en plus, on est dans un creux, ça devrait le faire. Y'a rien au-dessus, rien en dessous. Ok, rien en dessous. Allez, c'est parti. Pleine patate. Ouais, ça marche pas. Je crois bien que je l'ai cassé, les gars. Ça a pas l'air de marcher, les gars. Je l'ai complètement pété, le bordel. Et là, ça marche. Pleine patate. Pourtant, tous les connecteurs... J'étais pas monté sur le bon siège. Allez, vas-y, c'est parti. Pleine patate, les gars. Alors, qu'est-ce qui se passe? Regardez ça. Et regardez, on va même se faire une petite folie. Oh, putain, merde. Elle est où, la baraque? Où est-ce qu'elle est, la baraque? Oh, putain, elle est là. Merde. Regardez. J'ai envie de tester un truc, en fait, les gars. J'ai envie de rentrer dans la maison pendant qu'elle vole. Je sais, ça paraît complètement dingue. Mais j'ai envie de tester. Et pour ce faire, faudrait que j'appuie sur l'interrupteur. Voilà. Là, c'est pas mal. Comme ça, là, si je décolle... Ouais, là... Ouais, là, c'est pas mal, là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vas-y. Vas-y, les gars, on rentre dans la maison. Merde, putain, je l'ai loupé. Merde. Attention. Attention. Ah, bah, c'est bon. Mais non, c'est rien, c'est rien. Il a rien, le toit. Rien du tout. Allez, vas-y, on recommence. Vas-y. Vas-y, on rentre dans la maison. Là, les gars, j'arrive pas à rentrer dans la maison. Oh putain. Délire, j'arrive pas à rentrer dans la maison, les gars. Allez, vas-y, 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 je rentre dans la maison. Oh le délire, mais je peux pas rentrer dans la maison. Je crois qu'elle est coincée. En tout cas, moi j'ai envie de dire défi relevé. Tu m'as mis au défi de faire une maison qui vole. J'ai fait une maison qui vole. Elle a volé certes pas longtemps, mais elle a volé. Bon, en tout cas, malgré ces problèmes techniques, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me lancer d'autres défis dans les commentaires si vous avez des idées des fois. Alors des trucs à la limite du réalisable, hein, pas des trucs où je vais mettre 10 jours à le réaliser. Ne me demandez pas non plus de reproduire la tour Eiffel version robotisée, ça je crois que c'est mort, les gars. Donc moi je vous dis à bientôt et ciao tout le monde. Bye.